exemple, tout le temps que j'ai passé, ça a été une école de vie pratique pour moi. J'ai beaucoup appris en travaillant à ASAP et j'ai pu me réaliser. J'avais des projets, j'ai pu réaliser. Les villages qui ont eu la chance d'avoir des écoles maternelles, il y a certains parents qui disent que ah, vraiment mon enfant, il est vraiment éveillé. Sans l'intervention de ASAP, actuellement, ces villages, le développement que ces villages ont connu, ça n'allait pas avoir lieu. L'intervention de ASAP avec ses partenaires a permis à des élèves qui avaient quitté les bancs, souvent par faute de moyens de poursuivre, ou peut-être qu'après le BPC, ils n'ont pas eu la chance d'aller de continuer les études. Et ASAP a permis de donner des bourses professionnelles. Avant, l'apiculture était un sujet qui était réservé, vraiment, une activité réservée aux hommes. Mais grâce à ASAP, à la sensibilisation qui a été faite, aujourd'hui, sur les 200, on a 60% qui sont des femmes. L'ensemble de ces activités économiques, surtout pour les femmes, ça renforce la cohésion sociale. Au niveau du lab, ASAP a valorisé les activités déjà que ces enfants connaissent depuis leur famille d'origine. Il y a l'agriculture, ils sont nés dedans. Il y a l'élevage, toutes les familles africaines font des petits élevages. ASAP a devancé un peu le système gouvernemental qui parle de continuité, le continuum. Maison de la femme tout le temps, mais entre mes sikika, nous voyons que hier nous sommes du coro, mais aller sur la scène, mais sikisi sans aller coro, car nous voyons que quand on coupe quoi aller coro. Bon, il y a un sikika fin sangadoara, car entre les kaba sene, il y a doara, kadoara sangafarana, entre là kaba boa kafiri tout ni. Azapo wa tum ne bato wa mantono formation number, la katono mengala pa tum de groupe manamba, ou tenese betondo is sa ba betondo tum man agree manamba. Ya ulo na ma ta asing to ndi ligi pem de kun ne ma me ne ngo bumbu toy ma wa ze formation na ba ma to ne me ya ma yok ka dan pa he te de tom de bili bili fneta j'ai eu la chance de rencontrer le neveu de Hervé en 1997, l'année de création de ASAP. Et suite à cette rencontre, j'ai aussi rencontré Hervé et Eugénie au Burkina. Ils venaient juste de créer la fondation ASAP. Ça fait 25 ans, donc ça fait 25 ans que je suis imprégné dans les activités de ASAP. Ce qui m'a beaucoup plu chez ASAP, c'est la rigueur dans la gestion des projets, la rigueur dans le travail, la transparence. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui ASAP a 25 ans. Les formations dont j'ai bénéficié à ASAP m'ont permis de prendre la direction de ASAP de 2004 à 2011. Surtout en approche appréciative, m'ont aidé dans la gestion personnelle de ma famille, dans la gestion de mes petites économies. C'est quelque chose que je tiens à féliciter et je souhaite encore bon vent à ASAP. Donc ASAP est une association qui donc intervient dans plusieurs secteurs, qui apporte sa contribution véritable donc à l'amélioration des conditions de vie donc des populations cibles à Bobo. Et nous avons été véritablement émerveillement surpris par donc les réalisations de cette association là, aussi bien au niveau de la santé avec le lycée agricole privé à l'ENA. Nous sommes allés visiter, nous avons vu donc les conditions dans lesquelles, satisfaisantes en tout cas, dans lesquelles vivaient donc les élèves et donc l'accompagnement même des ASAP vis-à-vis donc des parents d'élèves. Et c'était vraiment quelque chose de très très probant. Le retour qu'on a
donc des bénéficiaires vis-à-vis donc de ce que la ZAP mène, c'est vraiment satisfaisant. On ne peut que véritablement féliciter l'ONG à aller dans ce sens. Ça fait partie, en tout cas, la ZAP fait partie donc des meilleures ONG, des meilleures associations que nous suivons en tout cas au niveau donc de la direction du partenariat avec les ONG. C'est une ONG vraiment qui fait du bon travail. Et donc le gouvernement est vraiment, je pense que véritablement satisfait de ce qu'elle fait. Il demandait en tout cas d'aller de l'avant. Les populations bénéficiaires ont toujours besoin d'elle, compte tenu de la situation dans laquelle nous vivons, et donc de continuer à aller dans ce sens-là. Et que nous restons ouverts, et que bon, tant qu'il y aura en tout cas des difficultés dans la mise en œuvre de leurs interventions, qu'ils n'hésitent pas surtout à venir vers nous, on pourra toujours donc voir dans quelle mesure les appuyer dans ce sens. Je m'appelle Hervé, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis le fondateur de ASAP. ASAP a 25 ans en 2022. Tout cela n'aurait pas été possible sans le soutien et les conseils de ma femme Eugénie et de nombreux bénévoles aux Pays-Bas et en France. Nos activités au Burkina continuent malgré les problèmes qui peuvent exister de sécurité et les problèmes politiques. Nous sommes conscients de cela, mais nous sommes toujours motivés pour continuer du fait de la gentillesse et de la noblesse du peuple burkinabé. Grâce à notre rigueur, notre transparence et notre communication, nous avons été capables de fidéliser des sponsors qui, pour certains, nous supportent depuis de nombreuses années. Nous sommes très fiers de nos réalisations et de les résultats obtenus dans le développement des villages où nous intervenons. Donc, merci pour tous ceux qui nous ont déjà aidés. Afin de garantir la durabilité de notre projet, nous avons transféré la responsabilité des activités à des entités locales. ASAP n'a plus qu'un rôle de contrôle, de conseil et, bien sûr, de bailleur de fonds. Les besoins en développement des villageois est toujours très important. Et donc, nous ne pensons pas nous arrêter à 25 ans. Et donc, nous espérons que vous allez continuer à nous soutenir pour les 25 ans à venir. Merci beaucoup.